Attends, faut que j'y aille, faut que je suis capable. Je suis capable, attendez. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. En réalité, faut que je vous le dise, là, avant de commencer mon spectacle, là, j'ai un aveu à vous faire. Eh oui. Je sors du garde-robe à soir. Je suis un homo spirituel. C'est comme ça, c'est pas de ma faute, je suis fait de même. Les contes que je vais vous conter à soir, mon spectacle de la rue de médecine, c'est des contes qui sont issus de la tradition des nations autochtones, d'ici dans l'Amérique, un peu partout. C'est des contes qui sont pas mal profonds, avec de la belle poésie et des beaux messages. J'espère que vous allez aimer la sagesse amérindienne. Il y en a qui me demandent des fois, est-ce que les visages pâles ont le droit de conter des contes amérindiens? Ben, en réalité, je suis rouge moi aussi. Mais ça en a pris du temps et de l'eau sur les ponts pour laver le sang des milliers d'innocents massacrés par les conquistadors, les conquistadors. Quand ils sont venus voler l'or et l'argent, quand ils sont venus violer les femmes et enfants. Mais heureusement, il reste encore beaucoup de trésors de ces cultures-là. Puis c'est pour ça que je suis ici à soir, pour venir vous conter mes histoires, pour construire un pont entre le passé et l'avenir, afin de nourrir un peu la paix, le respect et l'espoir entre les peuples rouges, les peuples blancs, les peuples jaunes et les peuples noirs. À vos médecines, habituellement, j'ai un beau dessin que j'ai fait, mais comme je viens de Montréal, je n'ai pas amené. Mais c'est pas compliqué. La rue médecine, c'est la base de la spiritualité de la plupart des nations d'Amérique du Nord, des anciens Amérindiens. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent cette philosophie-là. C'est un grand cercle avec quatre directions, séparées en quatre, avec quatre couleurs. Chaque direction représente une saison, un âge de notre humanité, un animal et une plante sacrée, un élément. Et il y a un paquet de choses aussi, mais pour commencer, je vais vous en dire la moyenne pour pas tout vous remplir la tête avec trop de notions. Mais commençons notre voyage vers l'Est. L'Est, c'est la couleur jaune. C'est l'élément de l'air. L'Est, c'est la maison de l'aigle. Et la plante sacrée de l'Est, c'est le tabac. C'est l'enfance, bien entendu, le printemps de nos vies. Quand on est encore des enfants, quand les enfants naissent, ils sont beaucoup proches de l'énergie, du grand esprit, du grand mystère qu'on peut appeler. Fait que c'est aussi l'Est, la propriété de l'Est, c'est l'énergie, le pouvoir. On dit aussi que pour faire des prières, les Amérindiens, ils prennent du tabac, puis ils mettent le tabac au feu avec leur prière. Et l'esprit de l'aigle, lui, c'est l'oiseau qui vole le plus haut, et il amène nos prières vers le grand esprit. Puis c'est comme ça marche. Un petit peu, grosso modo. Alors, bienvenue à l'Est. Dans le temps de mon histoire, il n'y avait pas encore de papillons sur la Terre pour nous amener les propriétés de guérison des couleurs de l'arc-en-ciel qu'il y avait sur leur peau. Il y avait juste des rampants. Les rampants, eux autres aussi, avaient des couleurs d'arc-en-ciel sur leur dos, mais bien souvent, les gens, ils ne regardaient pas par terre, ils regardaient devant eux, puis ils ne les voyaient pas. Dans ce temps-là, vivait aussi une jeune fille. Elle s'appelait Fleur de Printemps. Fleur de Printemps, elle était belle, c'était pas possible. À chaque fois que les gens la voyaient, elle avait un grand sourire, il y avait juste des bonnes paroles qui sortaient de sa bouche. Puis en plus, Fleur de Printemps, elle avait un don. Ses mains étaient fraîches comme les matins de printemps, puis quand elle touchait les gens qui étaient blessés ou qui avaient des blessures, elle pouvait les guérir.
les gens de son village, ils l'aimaient beaucoup. À chaque fois qu'il y avait des petits bobos, des petits problèmes de santé, ils venaient la voir. Elle faisait son possible pour les guérir. Plus qu'elle vieillissait, plus que son pouvoir grandissait avec elle. Un jour, c'était le temps de sa quête de vision. Sa quête de vision pour les Amérindiens et beaucoup d'autres nations aussi au monde, les Africains aussi, c'était comme ça avant. C'est l'âge entre l'adulte et l'enfance. C'est une étape où les jeunes, quand ils sont prêts, ils vont dans la forêt, dans une grotte ou tout seul, isolé pendant 4 jours, des fois sans manger, des fois sans boire. Et dans leur quête de vision, le grand esprit est supposé venir leur avertir de qu'est-ce qu'ils étaient pour faire sur la terre, quelle était leur mission. Fleur de printemps était prête. Elle est partie, elle s'est trouvée un endroit tranquille dans la forêt. Elle a commencé à méditer. La première journée, ça s'est bien passé. Elle n'avait pas trop faim. Elle n'a rien vu. Deuxième journée, elle commençait à avoir un petit creux, mais c'était pas si pire. Puis elle se demandait c'était quoi la vision qu'elle était pour avoir. Troisième journée, là, elle avait pas mal faim. Là. Elle commençait à être un petit peu étourdie. Puis le temps il était de plus en plus long, puis la nuit aussi était longue. Finalement, le quatrième jour, vers la moitié de la journée, elle a eu une vision. Il y a des drôles de créatures avec des ailes qui sont venues voler à l'entour d'elle. Puis tout partout sur leur dos, il y avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis ces créatures-là sont mises à lui parler. Ils lui ont dit que chaque couleur de l'arc-en-ciel avait une propriété spécifique pour guérir tel bobo ou telle maladie. Ils lui ont dit aussi que toute sa vie, elle était pour guérir les gens, puis qu'à la fin de sa vie, elle était pour libérer dans le ciel un pouvoir de guérison qui était pour rester avec les humains pour toujours. Puis ils lui ont aussi donné un nouveau nom, parce que des fois, ça arrivait dans les étapes importantes de leur vie chez les Amérindiens qu'ils changeaient de nom. Maintenant, elle ne s'appelait plus Fleur de printemps, elle s'appelait celle qui tisse des arcs-en-ciel dans le ciel. Parce que maintenant, elle pouvait juste fermer les yeux, s'imaginer les couleurs, aller les chercher puis aider les gens et les guérir. Quand elle est rentrée chez elle, elle s'est mise tout de suite à l'ouvrage, elle n'a pas perdu de temps. Tous les gens qui étaient malades, qui étaient blessés, sont venus la voir dans son village. Puis la rumeur a couru, même que les villages aux alentours, ils venaient tout amener le malade. Elle était contente de faire plaisir et d'aider les gens. À un moment donné, elle se disait qu'elle aurait voulu guérir encore plus de monde. Un bon matin, elle a décidé de partir sur le chemin pour aller rencontrer les gens un peu partout sur la terre, aux 4 directions. Elle est partie. Elle a voyagé beaucoup. Elle a guéri beaucoup de gens. Elle a vu beaucoup de gens sur ses voyages. Elle a rencontré un homme aussi. Lui, son pouvoir, c'était les rêves. Il pouvait aider les gens dans ses rêves. Plus tard, ils ont eu un enfant, 2 enfants, une fille et un garçon, qui plus tard aussi ont hérité des pouvoirs de guérison et de rêves de leurs parents. Mais comme le temps passe vite dans les contes, à un moment donné, celle qui tisse des arcs-en-ciel dans le ciel était rendue vieille. Elle avait toutes des cheveux blancs jusqu'à la taille. On pouvait voir dans son village, dans son visage, toutes les rides et toutes les pleurs qu'elle a eues dans sa vie. Mais rendue là, elle a décidé de retourner chez elle dans son village natal. Puis elle a amené sa famille, ses 2 enfants qui étaient rendus des adolescents maintenant, puis son mari le rêveur. Les gens étaient contents de la voir. Sauf qu'elle se demandait c'était quoi la deuxième partie de sa vision. Elle se questionnait puis elle ne savait pas, elle avait aucune idée. Un bon matin de printemps, comme elle était sur le bord de la rivière, elle se peignait les cheveux. Elle a observé un de ses rampants qui était sur le bord, proche de son pied, qui se frottait un peu. Vous vous rappelez les petits rampants du début? Et là, elle a réalisé que la plupart du temps, à chaque fois qu'elle guérissait des gens, les rampants ils étaient là pour l'aider. Elle a pris le rampant par terre, puis elle y a parlé. Elle dit « Bonjour, mon petit frère. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider, toi et ta famille? Parce que j'ai réalisé que vous m'avez souvent aidé en m'apportant les couleurs de l'arc-en-ciel que vous avez sur votre dos pour guérir les gens. » Le rampant y a répondu. « Oui, ma sœur! On sait que tu vas bientôt aller dans le territoire de chasse de tes ancêtres. »
quand tu vas partir, les gens, ils pourront plus nous voir parce qu'ils ne regardent pas. Puis on pourra plus apporter le pouvoir des guérisons des couleurs de l'arc-en-ciel qu'on a sur notre dos. Mais on se disait que peut-être si on pourrait voler, les gens pourraient nous voir. Celle qui utilise l'arc-en-ciel dans le ciel, elle a juré qu'elle était pour voir si elle pouvait pas aider ses amis les rampants. Elle est rentrée chez elle ce soir-là, elle a tout de suite été voir son mari, le rêveur. Elle a dit « Mon mari, si tu vois quelque chose d'important dans tes rêves pour aider mes amis les rampants, tu me le diras, c'est important. » Ils se sont embrassés, ont été voir le soleil se coucher, ils ont dit « Merci à grand-père soleil pour la santé, la lumière, la chaleur, la vie. » Puis ils ont été touchés. Le lendemain matin, le rêveur, il avait fait un beau rêve, il était content. Et ça l'a rendu tellement joyeux, là. Il n'était pas éclair, il avait goût juste de raconter, il s'est levé, puis il a commencé à raconter son rêve. Puis il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de réaction chez sa femme. Il s'est approché, il s'est rendu compte que ce soir-là, celle qui utilise les arcs-en-ciel dans le ciel était partie dans le territoire de chasse de ses ancêtres. C'est sûr, il était triste un petit peu, mais en se souvenant de son rêve, ça l'a réconforté. Puis tout le temps qu'ils ont préparé le corps de sa femme pour le mettre en terre, il s'est rappelé de toutes les gens qu'ils ont vus dans le voyage, toutes les gens qui ont guéri, puis qui ont aidé avec ses rêves. Puis ça aussi, ça lui a fait du bien. La journée de la cérémonie pour mettre le corps de celle qui était des arcs-en-ciel dans le ciel en terre, il faisait beau soleil. Tout le monde était là, tout le monde jouait du tambour, dansait, faisait des chansons, il racontait des histoires comme que je fais avec vous ce soir. Tout le monde était content parce que souvent chez les Amérindiens, la mort c'est pas une finalité, c'est pas si triste. Pour eux, c'est souvent juste une autre étape, une autre aventure qui commence ailleurs. Donc les gens étaient heureux, ils fêtaient. Puis quand c'est venu le temps de faire la cérémonie, sur le bord d'un trou qu'ils avaient préparé, le rêveur, il a vu un petit rampant sur le bord de la tombe. Il le ramassait parce qu'il savait qu'il était pour être là. Il l'avait vu dans son rêve. Il l'a pris, il l'a mis sur son épaule, puis la cérémonie. L'arc-en-ciel dans le ciel était généreuse, était fine, était belle. Tout ce qu'elle avait fait de bon. C'était une belle chose à voir, il y avait juste des belles paroles. Puis finalement, c'était rendu après où c'était le temps de mettre la terre. Là, chacun à son tour prenait une poignée de terre pour le mettre sur le corps de la personne qui se faisait enterrer. Juste à ce moment-là, le rampant qui était sur le dos, sur l'épaule du rêveur, il a dit « Dépêche-toi, dépose-moi sur le corps de celle qui était ta femme. Puis quand la terre va nous ensevelir, moi et elle, moi aussi je vais mourir. Mais nos âmes vont se fusionner ensemble, puis après ça on va enseigner à mes frères et à mes sœurs un pouvoir de guérison qui va rester avec les humains pour toujours. Dépêche-toi, on attend. » Le rêveur, il n'a pas perdu de temps. Il l'a pris, il l'a mis sur le corps de celle qui était sa femme. Puis tout le monde à tour de rôle sont venus porter une poignée de terre. Après ça, les gens étaient contents, ils sont rentrés chez eux. Il restait juste le rêveur, puis les deux enfants qui étaient des adolescents. Ils se rappelaient, ils méditaient un peu sur leur vie, puis c'est des belles étapes de notre vie quand il y a des gens qui partent comme ça. Ça nous fait réfléchir sur le passé, sur l'avenir, où on est rendu. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose de spécial. Il y a eu un gros flash dans les airs, puis de la tombe de leur mère, il y a une drôle de créature qui est sortie avec des ailes, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur son dos, qui s'est venue à voler autour, puis s'est venue se poser sur l'épaule du rêveur. Puis là, il a dit, « Sois pas triste, mon mari, parce que maintenant, je vais pouvoir aller enseigner à mes frères et à mes sœurs un pouvoir de guérison qui va rester avec les humains pour toujours. Je vais enfin réaliser la deuxième partie de ma vision. Puis quand ça va être ton tour à mourir, je vais t'attendre. » Il est parti. Je ne veux pas vous compter de mentir, mais on va tous passer par là à un moment donné. En tout cas, la plupart d'entre nous. Puis, le rêveur aussi est mort plusieurs années après. Mais lui, il l'a vu dans son rêve, comment il était pour mourir. Alors, quand c'est venu le moment, il a pris sa flûte, il a pris son tabac, il est monté en haut d'une petite montagne, il a été médité, il a été observer la nature, puis il est parti bien tranquillement, sans souffrir dans son sommeil. Quand c'était le temps de faire la cérémonie, tout le monde était là.
Il faisait beau soleil, les gens étaient heureux, ils jouaient du tambour, ils faisaient des chants, ils contaient des histoires comme que je fais avec vous aujourd'hui. Puis là, il y avait les deux enfants qui étaient rendus maintenant des adultes, qui étaient sur le bord de la cérémonie. Puis ils ont remarqué, cette fois-ci, il y avait un drôle de papillon, ces nouvelles créatures qui venaient juste d'arriver dans les environs depuis pas très longtemps, qui étaient là puis qui tournaient autour de la cérémonie. Puis quand la cérémonie avait fini, tout le monde sont rentrés chez eux. Il restait juste les deux enfants qui étaient rendus grands. Puis là, il y a eu un autre flash dans les airs, comme la première fois qu'ils avaient vu, il y a plusieurs années auparavant. Puis de la tombe de leur mère, de leur père, excusez-moi, il est sorti un autre papillon d'égale beauté. Aussi beau, aussi gros. Puis les deux se sont mis à voler ensemble, comme une valse cosmique. Puis se sont allés vers le nord, l'endroit du renouveau. Puis c'est depuis ce temps-là, mes bons amis, qu'on a les papillons pour nous égayer et pour nous apporter le pouvoir de guérison des couleurs de l'arc-en-ciel, si on veut bien l'accepter dans notre cœur. Merci.